Retrouve pour le nouveau stream du jour. Et si vous avez suivi l'épisode de hier, eh bien, vous avez découvert ce qu'étaient les jeux d'époque entre 80 et 90 concernant tout ce qui était sur support LaserDisc. Alors, pour les gens qui ne savent pas, bah, je vous invite à regarder le stream précédent où vous avez le plaisir de voir ma grande bouille merveilleuse et mal coiffée qui vous présente format réel ce qu'est un LaserDisc. En gros, pour résumer, c'était un support numérique. Équivalent du CD audio, mais qui permettait de stocker de la vidéo, et ça bien avant qu'on fasse des DVD. La grosse différence, c'est que le DVD, lui, il tenait le même format que le CD audio, tandis que le laserdisc, lui, c'était quand même une belle galette de 30 cm, d'où sa distribution qui a été un petit poil chaotique. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un nouveau shmup qui, lui, est également en laserdisc, comme le Mac 3 qu'on a vu précédemment. Je sais pas si vous vous souvenez. C'était ça, Mac 3. Et aujourd'hui, en fait, on va regarder un jeu qui s'appelle Us vs Them. Et alors, celui-là, il repousse les limites de la laserdiscérisation, on peut dire ça, je crois, non? Bon, on va le dire quand même. Puisqu'il utilise toutes les subtilités du support pour, en plus du gameplay qui est sur des zones filmées, intégrer des passages scénarios. Eh oui! Et le tout dans une ambiance, bah regardez-moi ce flyer, quoi, c'était assez extraordinaire. Donc ambiance bon vieux nanar, guerre de fin du monde, extermination par les aliens, type années 50, comme l'Amérique, seul sait nous en pondre. Je vois que vous êtes impatient comme moi et que vous trépignez à l'idée de pouvoir regarder cette petite perle. On va enlever un à un nos amis, adieu Mac 3, adieu la borne, et adieu le joli cover. Et on va se mettre ce petit jeu qui, je l'espère, va vous plaire. Moi, il m'a laissé une marque intarissable. Est-ce que j'ai mon retour vidéo? Oui! Alors, au démarrage, il fallait attendre que le disque s'initialise. Chose qui fait que je vais être obligé de chanter. Eh oui. Je suis désolé, c'est Fugain qui m'est passé en premier dans la tronche. Je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas d'explication. Mais je trouve que ça fait bien, Etise. Use the joystick to maneuver the fighter plane. Hold down the trigger for continuous firing. Use the panel buttons to roll the plane to the right or left, or to change the direction of fire. Non mais vous voyez ça? Donc pareil, je vous resitue l'action. Entre 1980 et 1990, vous voyez cette borne, vous êtes minot, vous êtes hystéro quoi. Le truc, vous foncez dessus, genre votre mère, si elle lâche pas 2-3 pièces, vous êtes prêt à la frapper quoi. Il faut que vous essayiez ça avant de mourir, c'est obligé. En plus, les mecs, ils vous teasent avec un scénario quoi. Le truc de ouf, un shmup avec un scénario. Pas trop In the skies of every nation on the planet, a fierce battle is about to begin. A ruthless alien fleet plans to conquer the Earth. Their purpose to make it their home. Their only obstacle, us. Tout ça, c'est pas bon vintage spirit. The pilots of these experimental fighter planes and the ground personnel at Air Command headquarters are unaware of the approaching menace. Captain Tracy, the fighters are in the air, ready for their final test phase. Good. Quel jeu d'acteur. Okay, pilots, this is Big Daddy. Let's ring those babies out. Big Red? This Big Red. Mellow Yellow, checking in. Quicksilver here. Sky Blue, check. White Knight, Big Daddy. Mean Green? Mean Green, come here. Franchement, ça donne envie. Vous n'y tenez plus, là. Dites-moi pas le contraire. Vous aussi seriez prêt à tuer pour de la monnaie. Et de la monnaie nous avons, donc nous fonçons. Alors pareil, les laserdiscs à l'époque en version arcade avaient cette petite manie de bien vous bouffer de la thune. D'ailleurs là j'observe qu'il y a un niveau, je ne sais pas si sur la manette il n'y avait pas un trigger spécial pour pouvoir pivoter l'appareil justement, faire l'épreuve des formes géométriques où il faut passer dedans. On va voir ça dedans. Si j'ai pas l'option, tant pis pour moi, on se crachera. Hein. On va se mettre en mode easy parce que on est faiblard. Eh oui. Ingrid? I copy Big Daddy, but What? I Non, don't mais believe sérieux it. quoi. Flying saucers, they're shooting at me.
Ouais, c'est bon, j'ai trouvé des trucs pour s'incliner. Alors, parce que pour l'instant, s'incliner, c'est pas super important. Mais vous allez voir que va y avoir un niveau qui va commencer à me casser les réunions. Comme je suis heureux. Mais comment je suis heureux de vous faire voir ce jeu. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Donc, franchement. Là, j'ai l'impression que je suis un pilote, quoi, un vrai. Même Star Wars, je me demande s'ils peuvent pas aller se coucher, quoi. Parce que là, on a le summum. Alors, je me rappelle plus l'année exacte. Elle doit être marquée sur le screen d'intro. Mais franchement, à l'époque, vous disiez... Donc, rien que de dire que vous aviez joué à ça à vos collègues, les gens vous regardaient avec des gros yeux. Ça existe, ça? C'est pas dans 20 ans? Et non, monsieur, le futur, c'est maintenant, comme tous les jours, d'ailleurs. Non, Us Wisdom, franchement, c'était the ultimate jeu à jouer pour pouvoir se la péter au cours de récré. You got anything on radar? No, sir, it's jam. Notify headquarters. Sky Blue is under attack. I'm right behind him, Big Daddy. Oui, mais je vais le défendre. Regardez-moi ça, c'est pas de jeu interné en plus. Maintenant, je ne suis plus vu de côté. Je ne suis plus vu en perspective. Je suis vu dessus. Je crois pas que je vais survivre si je continue à jouer comme une bouse. Je vois un petit peu, vous prenez un prune. Si on déconne un petit peu, on peut avoir une combinaison. Oui, je n'ai pas la bande chez moi. Et pourtant, j'ai demandé. Et vous avez vu, il y a même des conneries énormes, c'est assez génial. C'était juste beau, je m'en rappelle plus, mais maintenant ça va. Parce que les trucs descendent, ils remontent après, et il y a moyen que si vous en feriez pas assez, vous vous mettez tout seul de la panade à faire une danse absolument décousue pour pouvoir vous créer un petit chemin. Bon, c'est énorme, bordel, sans nom. Ah, c'est le repas, que ça commence à se concentre. Vous avez vu ça? Et la qualité de la vidéo? C'était au moins du 320-256? Comment ça, c'est pas beaucoup? Mais si, à l'époque, c'était énorme. Mettez-vous du 320-256 sur un tube catholique, vous allez vite voir la classe. Sir, General Waxman's car has arrived. Great, that's all we need. Sir, there have been attacks in Tokyo and Hong Kong. Big Red, sir. They're heading for the forest. Ouais, c'est moi, Big Red, sir, j'y vais. Oh, ce passage, il était classe, c'est le passage où il y avait... On peut passer entre les tirs comme ça, regardez, hop là! Oh, putain, mais non, mais c'est trop bien! Et en plus, j'ai pas perdu mon style de pilote de l'époque, regardez-moi ça. Hop! Tiens! Mais tiens, mutant du cosmos! Comique! Alors attention, maintenant, on va passer entre les arbres. Il va falloir faire gaffe, hein, maintenant. Ah, putain d'arbre! Con d'arbre! C'est qui a planté ça là? Mais pourquoi il se jette sur moi? Regardez-moi ça! Alors, j'ai une petite pensée pour le caméraman qui était dans la forêt avec sa pseudo-caméra équilibrée pour filmer ce que c'est. Et qui a dû passer en accéléré. Il m'énerve, lui, là-bas. Il voulait pas mourir. Remettez-vous, madame. Remettez-vous. Oui, je sais, j'ai un skill absolument fabuleux. Il me reste un pet d'énergie. Je prends un obstacle, je suis mort. This is Quicksilver reporting in. Eh oui, elle me raconte plus les commandes. Alors, je crois que j'ai un tir arrière. Ouais. Bon, je peux inverser mon tir en fait. Faut juste que ça m'en vienne. Ok, j'ai un bouton pour tirer et un bouton pour le passer le tir derrière. Mais ça va être ma faute, je sens. En fait, c'est deux boutons pour changer la position. Le sens du tir, c'est assez magnifique. Con de mime! Pas mal pour le coup. Non, pas le game over, on voulait voir la suite. Je suis sûr, c'est mieux. Alors, laisse insérer. Ah non, fais-moi pas recommencer pour le coup. Oui. Comment ça, je suis en mode game? Bah oui, ça fonctionne. Je suis en mode game total. Jamais j'aurais cru avoir le privilège de pouvoir rejouer à ce qui. J'aurais pas cru qu'un jour on pourrait émuler du laserdisc. Très honnêtement. Et du coup, c'est un grand plaisir de remettre le pif là-bas.
Est-ce que c'est vraiment une période, ça? Ou finalement, avec quelques astuces de programmation, elle a les moyens de faire un truc complètement hallucinant. Il me narre derrière, mais je le sens. Faudrait que je le passe celui-là, ça serait bien quand même. I've almost got them all. Wait, there's something else out there. Ne passerai plus. It's the mothership. Only one thing to do. I've got to get inside. Don't do it, Quicksilver. It's too risky. Risky is my business, Big Daddy. Regardez-moi ça. That's an order. Sorry, Big Daddy. I'm going in. Alors, très honnêtement, je crois que je suis jamais allé aussi loin puisque j'ai jamais eu assez d'argent pour arriver à ce niveau-là. Là, j'ai dû remettre 10 boules, quoi, je crois. About Quicksilver, sir. It wasn't your fault. Sure. Captain Tracy, I'm taking over. Big Daddy, come in, Big Daddy. Ah voilà la super phase. Donc là il va falloir que je passe dans ces formes géométriques. Ok, donc au début c'est assez fastoche. Faut se rappeler que les commandes sont inversées, enfin ça fait avion quoi. Et merde. Et. Ouais, ça passait là dude. Et à un moment ça va accélérer et je vais pas être content. Oh merde. De merde. On est mime. Mais c'est tout. Allez, réinsère ta carte bleue. Mais oui qu'on insère des coins, mon pote. Big Daddy, come in, Big Daddy. Finir. Si j'arrive à passer ça, je vais pas matérialiser. C'est tout un art, ces jeux de jeu. Suspense. Suspense. Badass. Allez, passez celui-là. Quel racisme. Et je passe. C'était limite. Ça aurait été dommage de crever là. Pilots to regroup at the location of the mothership. I'm in command here, Captain Tracy. And don't make me remind you of that again. I got Mellow Yellow, sir. I've picked up bandits at Sector 2. Repression! Repression! Je suis plus un par derrière. Aïe. Je ne vais pas faire long feu. Mes perspectives de vie à long terme sont relativement nulles. Très bien exprimé, je crois. Un peu, on continue. Je vais le finir parce que à l'époque, j'aurais jamais eu la monnaie et je me demande combien de pognon il faut pour pour terminer sur le second net. Parce que la jouabilité est bonne. Mais très franchement, c'est une bande d'arcade. Elle n'est pas là pour vous faire des câlins. Elle est là pour vous amuser, vous faire passer du temps et ramasser la monnaie. Et oui. On n'est pas chez les bisounours, ni les licornes. Oh purée, je vais pas faire long feu encore. Oh, pour la puissance du Fred Mollard. Ça peut marcher une incantation, je sais pas. Faut que je tienne. En fait, il y a des tas de niveaux, vous les faites. On le refait. Yellow, sir. I've picked up bandits at Sector 2-9er, Charlie. Target computer is on. Let's get him. Il n'a pas touché. Frôler, c'est pas du tout pareil. D'où ils sortent des enfoirés de derrière là. Moi, je veux bien que ceux qui viennent par devant, je les vois revenir, c'est tout à fait normal. Là, je ne sais pas pourquoi j'ai touché en plus. C'est parfaitement contrariant. J'arrive au moins avec la moitié d'énergie à la scène intermédiaire, sinon c'est mort.
Vite, Scotty, mets toi sous la table. Ah, les scènes intermédiaires, c'est bien pratique pour eux parce que du coup, ça sert à vous déconcentrer et vous êtes là, vous nagez quand ça repart. Est-ce que j'en ai qui reviennent par derrière? Je ne sais pas. Ouh, je l'esquive. Je lui feinte. Allez, tiens, tiens bon. Ne déconne point. Hop. Yes, you can faire le. You can faire le. Oh, Scotty, tu as tout mangé. Je t'avais dit de te mettre sous la table. Quel intenable, ce chien. Quelle scène nous réserve-t-il? General Waxman, we can't regroup those fighters and leave our cities defenseless. We've got to launch a mass attack against the mothership. But we're making real progress. Besides, we lost Quicksilver there. And whose fault was that, Captain? Oscar, Big Daddy, super méchant. I've intercepted bogeys at sector 1, 2, 9. Ah, il est chiant, c'est pas ça. Ah, j'ai envie de le relever parce qu'il est chiant, justement. Ils essaient de briser pour regarder les joueurs. Et misère, et misanthropie, et monogamie. Oh, je ne sais pas. Je ne sais plus. Ils m'énervent, ils sont nombreux, ils sont méchants. Ils en veulent à la population tout entière. Meurs, charogne de l'espace. Sans mon courroux à coups de missile. Et pas tarde. Putain, j'aurais dû mettre mon t-shirt. Je les ai bien eus là au moins. Allez, un petit derche. Uiche ! C'était limite, mais on est passé. Mais quel bonheur. Je crois que je suis jamais allé aussi loin, je ne connais pas. Ladies and gentlemen, we have a crisis situation here. I realize that many of you have feelings of loyalty toward Captain Tracy. However, you are now taking orders from me and only me. Now have those fighters regroup at the mothership. Ah, je suis à l'envers là! C'est super pour viser! Je ne comprends rien! Oui, Jean-Michel! Je ne comprends rien! C'est pas grave, suis les bruitages! C'est pour ça que tu t'appelles Jean-Michel! Mais non, t'es con! Il m'énerve le petit truc en bas là qui. Voilà, je l'ai eu. Crevé, bande de pas de tirer d'espace là! Même pas de fun! Ah, ça y est, j'ai chopé le groove. Je sens que le groove revient en moi. J'ai le groove tout puissant bientôt, je crois. Roger. Humour. Eh oui, ça fout là. C'est même pas une scène intermédiaire, dis donc. White Knight's in trouble. See that? Now we've lost two pilots. Carry out my orders. I've got to find that reactor. Et rebelote pour la géométrie qui tue. Ouais, non, mais je fais au mieux. Je fais au mieux, comme dirait Scotty. Ça va être un échec, total. Crème au beurre. Je suis millionnaire, j'y retourne. Oh, ça passait, ça aussi, putain. C'est quoi cette merde? Fred, sort. Non, c'est pas bon pour l'influence, je l'ai déjà dit. Bon, ouais, ça y est, si j'arrive pas à passer, ben on va s'arrêter. Ça va être aussi simple que ça. Mais normalement, on avait une vraie manette de zing pour pouvoir s'exprimer. Et c'était quand même vachement plus pratique que le pad avec les deux boutons. Voilà. En fait, il faut être dans le rectangle pile quand il est sur le bord d'écran. Le problème, c'est que, voilà, des moments, on perçoit assez mal la perspective. Ouh! Vas-y, ça passe au bout d'un moment, à force d'insister. c'est ma totale conviction. Moi, je pense qu'en insistant, je passerai à travers ces murs. Voilà.
double, connard. Triple. Mais... mais merde. Je crois. Mais je suis pété de fric. Je suis le fils de Macron. J'en profite à mort. Ouais, qu'ils viennent. Tiens, on va la faire comme elle. Non, pas mieux. Et là? Ah, pas mal. Ah, presque. Dommage. Une attention là, hein. Je pense que c'est le dernier là, celui qui me nargue. C'est pour ça que j'insiste à essayer de passer. 10 millions de dollars plus tard. I've got to find that reactor. Ça passe normalement si on incline le vaisseau à la dernière seconde. Je crois me rappeler de ça. Donc je crois que j'étais nul. Bon, passe au moins celui-là. Alors, je sais pas ce qu'il faut faire là, je peux plus détruire, ok. J'ai droit à la séquence suivante, c'est la grande surprise. Oui! Toujours avec un peu d'énergie. Maybe he's alive. Let's hear it. Yes, sir. I've reached a force field inside the mothership. If I can blast through, I can get to the reactor on the other side. Sky Blue to Big Daddy. On pourrait avoir une petite fin à Star Wars. Non, même pas. J'ai même pas de fin en fait. Will we ever see the end of this? Le truc est un gouffre à monnaie. C'est un gouffre à monnaie. Donc vous comprenez en fait pourquoi très peu de gens ont fini ce jeu. C'est parce que tout simplement il fallait balancer un fric dedans. C'est le même principe que Dragon's Lair. On parlera après qu'on aura le son moins fort. Saleté. Ça passe, ça passe. Sur un malentendu, ça peut. Il ne veut pas que je passe. Sky Blue to Big Daddy. I found more aliens right on the coast. Will we ever see the end of this? We've got to fight them off. It's either us or them. Oh, le fumier! En général, qu'on n'arrivait pas à la moitié du tableau avec le vaisseau à la scène intermédiaire, c'est que c'était cool. Bien que je dis. Donc, le but du jeu, c'est avant la scène intermédiaire, faut qu'il nous reste au moins 50% d'énergie, sinon, c'est un miracle qu'il faudra pour qu'on y arrive. Sky Blue to Big Daddy. I found more aliens right on the coast. Will we ever see the end of this? Le fair play n'est pas de mise aujourd'hui, gars. It's either us or them. Ah, le début du jeu, us or them. Je suis mal barré. Sky Blue to Big Daddy.
found more aliens right on the coast. Will we ever see the end of this? We've got to fight them off. It's either us or them. Tendu, les amis. Inform the pilots to hang in there. If Quicksilver can come through, we might have a chance to win this thing. Got to do something. No. That's Big Red. I'm still stuck in this dang forest. Please try. Ah, les arbres, ça poutre. Donc là, on vous expliquait que pour voir la dernière partie, eh ben, seules vos capacités de pilote pouvaient vous permettre d'explorer cette zone qui vous resterait inconnue si vous n'en chopiez pas les capacités. Donc grosso merdo, le jeu, mine de rien, est en train de vous dire, t'es venu jusque là, mais si tu veux voir la fin, non seulement faut que tu la parcours avec ton skill uniquement, mais pour la parcourir, faut que tu connaisses la fin. Donc ça veut dire qu'il faut que tu aies essayé le jeu plusieurs fois et qu'à chaque fois tu reviennes jusqu'ici. Vous sentez la subtilité et arnaque aussi au passage. Donc le truc était quand même assez délire à ce niveau-là. Et c'est pour ça que je ne fais pas partie des gens qui en ont vu la fin. Parce que pour en voir la fin, il faut la pratiquer. Pour la pratiquer, il faut un pognon absolument impensable. En tout cas, je suis très très heureux de vous avoir présenté ce Us Wisdom, dont je vais baisser un peu le son. Hop là. Parce que franchement, oui, c'était une période, c'était une époque, et d'avoir connu ça, c'est super agréable du coup. Il est dans les sélectionnés, parce que ça fait partie quand même de l'histoire des shmups, et même si c'est pas un shmup grandiose, c'était quelque chose de technologiquement merveilleux à son époque. Même si ça n'a pas connu de suite et qu'on a trouvé d'autres moyens d'être beaucoup plus efficaces en jeu. Bon, je vais rebaisser le son, ça gueule encore. Voilà. Et donc, je vous invite à l'essayer si un jour vous avez une séance de rétro gaming qui se passe vers chez vous. Ça se fait souvent, il y a de plus en plus de clubs de rétro gaming. Donc je vous invite à aller voir ces clubs de passionnés qui souvent font chaque année des regroupements pour jouer au flipper, redécouvrir les bornes d'arcade, même juste jouer ensemble, ce qui est pas mal. Et peut-être vous aurez le bonheur un jour de tomber sur la borne Us Vs Them. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi ces streams qui étaient consacrés pour ces numéros à cette chose étrange qui était le laserdisc et les jeux qu'on a fait dessus. Je vous invite à vous abonner à la chaîne une fois de plus, à faire tout le blabla habituel, mais je ne le ferai pas parce que j'ai ma petite fierté et que je vous dis tout simplement à demain 19h sur le même canal. Des bisous.